tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Encore une fois, un maquillage bleu avec du rose aussi. Je trouve que ces deux couleurs vont super bien ensemble. Et ça match super bien l'un avec l'autre. Ça fait tout ressortir, je trouve. Voilà, en tout cas, c'est un maquillage super facile à faire. Plutôt rapide, je pense. Et puis, allez, c'est parti pour le tuto. N'oubliez pas que si cette vidéo vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter. Allez, c'est parti cette fois. Après avoir appliqué une base à paupières sur toutes mes paupières, je prends ce fard rose fuchsia, très très flashy, très très joli aussi également. Et avec un pinceau plat, je viens l'appliquer en tapotant dans le coin interne. Et avec l'extrémité du pinceau, je commence à dégrader les bords du fard dans le creux. Ce fard est tellement joli, franchement c'est une de mes couleurs préférées. Ensuite, je retourne le pinceau et je prends le violet qui est juste à côté, qui est quand même un violet aussi assez flashy. Et ben, je tapote sur le centre de la paupière mobile, comme précédemment. Et j'estompe dans le creux et bien sûr, je vais venir fondre les deux couleurs entre elles pour réaliser un joli dégradé. Une fois que je suis à peu près satisfaite, je passe à la troisième couleur qui est donc le bleu le plus foncé. Et le fard le plus galère à travailler aussi de ce maquillage. Donc j'ai pris avec un petit pinceau estompeur que je applique dans le creux et que je vais former en fait un V avec ce fard pour étirer mon œil, étirer le maquillage. Et puis voilà, et comme d'hab aussi je vais venir l'estomper avec le violet pour réaliser un très joli dégradé qui va du bleu jusqu'au rose. N'hésite pas aussi à reprendre les fards précédents pour avoir le plus joli dégradé possible. Avec un pinceau sans matière, je stompe tous les bords ensemble pour que ce soit bien fondu dans mon creux de paupière, mais également aussi dans le coin externe. J'ai fait mon teint entre temps, j'ai repris le fard bleu avec le petit pinceau. Et je suis venue l'appliquer dans le coin externe et j'hésite pas aussi à remonter pour réintensifier un petit peu si... parce que je trouvais qu'il y en avait besoin. Ensuite j'ai repris le violet que je mets au centre du ratil. Et évidemment je vais finir avec le fard rose dans le coin interne. Pas tout à fait dans le coin interne, on laisse un peu de place et là je vous ai pas montré mais en fait j'ai pris le rose pastel de la même palette que j'applique dans mon coin interne. Ce sera un maquillage totalement mat. Et bien sûr, j'ai déjà terminé, donc je recourbe mes cils et j'applique du mascara. Enfin non, j'ai pas terminé. Il reste une dernière étape, c'est-à-dire mettre le crayon dans les yeux. Donc là, j'ai pris un crayon bleu nuit. Voilà. On le voit pas trop bien, il a eu un peu du mal à marquer, mais il est très joli. Il a des petites paillettes aussi, il est très joli. Et j'ai déjà de le dire. Et ensuite, je prends mon crayon rose fluo de chez Colourpop, que vous avez déjà vu des milliards de fois sur mes vidéos. Le maquillage est maintenant terminé, j'espère vraiment qu'il vous aura plu. Moi je vous fais plein d'énormes bisous. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et de commenter cette vidéo si ça vous a plu. Moi je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Je vous aime.